Université. Bon, le livre. Souviens-toi de ce qu'a dit Lucas. Au sous-sol, le chemin est semé de roses. Des roses? Où je vais trouver des roses ici? Les livres. Là, les bannières. Des fleurs, oui, des roses. C'est le bon chemin. Ça fait combien de jours qu'on est là? J'ai arrêté de compter. À rester enfermé ici, je fais même plus la différence entre le jour et la nuit. Aucun rat? C'est étrange. La dernière porte. Des jours qu'on est là, et c'est le grand inquisiteur lui-même qui vient nous aider. On va en entendre parler. Des livres ou je vous en mets plus? Nous n'avons jamais assez de livres. Lorsqu'on sait lire. Bah, c'est de la lecture païenne tout ça. Le Sanguinis Itinera est un livre sacré. Le savoir contient nos origines. Et ce savoir peut toujours se lire. Alors continue de fouiller. Et concentre-toi sur les livres à la couverture. Le livre? À la couverture rouge, ouais. Il le cherche aussi. Pas lire. Je dois faire pas stupide. Thank you.
Ramène-moi ces putains de races. Voilà les roses. Je suis sur la bonne voie. Franchement, la prochaine fois qu'il me parle comme ça, je lui fais bouffer ses manuscrits. Celui avec la couverture rouge, c'est son préféré. Le bouquin. Encore une brillante idée d'alchimiste. Il y a quelque chose de louche chez ces gens, crois-moi. Ça, c'est vrai. Et voilà. Au bastion, il y a des endroits où j'ose plus aller. Les choses qu'ils font là-bas. Ouais, je préfère pas en parler. Avance, forgeron. Il y a du travail qui t'attend. On doit vraiment être désespéré pour que Vitalis s'abaisse à capturer un que pareil. Comment les rafler ? Un prisonnier. Imagine la force qu'il faut pour percer une épaisseur pareille. J'imagine ce que ça peut donner sur ton bras. Ce trou sert plus. Ils l'ont bouché, tu vois pas ? Ils savent très bien ce qu'ils font, ces petits bâtards. J'ai entendu un truc. Allons voir. Sois prudent. Rien à voir par là. D'accord. Thank you.
ça, ça va me simplifier la vie. Pas mal. Pas mal du tout. Le seigneur Nicolas continue la recherche. Dans ce cas, pour trouver le livre, nous allons devoir nous en remettre à un fils de forgeron. C'est toi qui as conçu cette porte avec ton père. À présent, tu vas l'ouvrir pour nous. Si on l'a construite, c'était justement pour qu'elle reste fermée à des ordures comme vous. Je suis le grand inquisiteur Vitalis Bénévent. Tu n'imagines pas ce que j'ai dû endurer. Vois ce que je m'inflige pour vous. Vite, l'épisanguis. Comment t'appelles-tu, mon garçon ? Roderick. Je ne veux pas que Roderick succombe avant d'avoir ouvert cette porte. Ne commettez pas la même erreur qu'avec son père. Emmenez-le. Roderick, on dirait qu'on a tous les deux des ennuis. Son sang s'affaiblit. Combien de temps l'épisanguis peut-elle contenir la morsure ? Tant que sa foi le lui permet. Enfin, vous étiez... C'est lui qui a fabriqué la porte. Ouais, et il va l'ouvrir. Avec le livre et le gamin de runes, Vitalis accomplira la conjuration. Alors nous serons sauvés du fléau. Ad ignem. Ad lucem. Oh, bien dit. Avance. Tu sais, mon ami et moi, avant on s'occupait des hérétiques au bastion. On en a fait parler des braves. Les gaillards, mais crois-moi, une fois qu'on aura taillé assez profond, tu chialeras comme tous les autres. Ah, j'ai hâte. Alors, tu le connais ? Ça te rappelle ton père ? Parle pas de mon père, t'as compris ? Oh, vraiment ? Tu veux jouer à ça ?
doit y avoir un moyen. Quitter. Mais merci. On doit partir. Les autres gardes ont dû entendre. C'est quoi cette porte? Une commande spéciale. Le chef-d'œuvre de mon père. Et tu sais comment l'ouvrir? Parce que ça nous aiderait.